Et 73, 51, Gilles, de Rémy. Atta 109, bravo Charlie 555 pour 14 km 33,01 Rémi. Ça va et toi? Toi, pour moi aussi, c'est le matin. Hachis trois coups. Ah oui, je t'entendais parler. Je croyais que tu étais déjà en QSO avec d'autres stations. Ou alors, ça arrivait d'ailleurs. Hachis trois coups. Ah oui, j'y retourne ce soir, mais ce soir je suis ailleurs, je suis plus près. Ouais. Et ce matin en débouchant sur le canal 19, j'ai eu Daniel 14 kilomètres 3306, Daniel qui est de l'autre côté de Bordeaux. Alors, vu que j'étais de ce côté-là en plus, on a pu papoter un petit peu là sur le canal 19 ce matin en vitesse. h 45 chez toi, et ben tu vois, il est 16h45 là ici. Ouais, j'entends gazouiller derrière, effectivement j'entends du monde. Alors, puisque là on n'est que tous les deux là apparemment, est-ce que tu as essayé la solution que je t'ai envoyée là, vite fait, là, on va dire tout à l'heure, cette nuit? Oui voilà, pour toi cette nuit. Oui, le lien. Alors, pour le logiciel, c'est dommage, mais peut-être que là, après, je sais pas, à partir du lien, quand tu te seras connecté, peut-être que là, au niveau du logiciel, ça va le faire. C'est vrai que sur le téléphone, ça serait plus pratique. C'est, je sais pas, il y a des mystères comme ça qu'on a du mal à comprendre. Mais là, pour hier soir, je crois que c'est une question de pays qui a fait la différence. C'est vrai que moi, là, depuis le logiciel sur le téléphone, depuis n'importe où en France, hein, j'arrive à aller dessus, hein, c'est pas un problème. Sauf que là, ça a dû sentir que c'était pas le même QTH. Et du coup, ça ne l'a pas fait. Et y a des mystères là qu'on a du mal à comprendre. Hachis-toi, hachis. Ouais, là pour accéder au serveur, ouais, peut-être que je sais pas, c'est bizarre. C'est peut-être que pour la configuration, oui, voilà, c'est ça, j'y arrive. Peut-être que pour la configuration, il faut être sur place, c'est-à-dire ici au QRA, pour que ça se fasse automatiquement après. C'est peut-être ça. Pourtant, je t'avais fait les captures d'écran avec l'adresse IP et tout ça, quoi. Mais bon, c'est bizarre. Hachis. Thank you.
Ok, d'accord, mais ça je l'ai pas eu, toi, là, de mon côté, quand j'ai installé le logiciel là sur le téléphone. Il m'a demandé directement, quoique. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Quand j'ai installé le logiciel, j'avais le Wi-Fi de la maison d'enclenché dessus. Comme le serveur est à la maison, donc là, ça a été de suite, hein, identifié en mot de passe, et puis allez hop, j'étais de suite dedans, quoi. Voilà. Et après, le reste des réglages dedans, ben, ça s'est fait tout seul pour après, depuis n'importe où. Voilà pourquoi, ça y est, d'accord, là j'ai compris. Ok, je crois que j'ai l'Italie en même temps derrière, je sais pas, j'ai entendu d'autres stations. Ok, je vais laisser un blanc en avant la station avec les bandes 73 du côté Québec, 9 Bravo Charlie 555, et du côté sud-ouest, 14 Kilomac 3301 Rémi. Ah, c'est le Brésil qui passe. Non, 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 là c'est nickel. Non, non, c'est nickel, c'est nickel. En plus, là, je t'entends assez bien. Je suis en train de faire une nouvelle vidéo. Donc là, tu pourras voir dedans. Par contre, le poste est froid. Donc évidemment, il y a un petit décalage en fréquence. T'es plutôt bas, mais bon, c'est de mon côté, j'ai corrigé au niveau du clarifieur, et puis voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis en plus, au Québec, il fait froid en ce moment. Hein. Je sais pas combien t'as de degrés, mais il fait combien, Fabienne, là, ici? Il fait, toi, ici, sur le sud-ouest, il fait 9 degrés. Donc chez toi, tu dois être en dessous de zéro, j'imagine. Six? 6 degrés? Tant que ça? Alors là, je suis bleu, quoi. Eh, c'est bientôt Noël, hein. Le manteau blanc, faut qu'il y soit, là. C'est un hiver français là pour le coup, Cotard là. T'as même plus besoin de venir chez nous pour voir comment c'est, quoi. D'accord, ok, ouais. Alors là, de mon côté, le verglas, c'est vraiment très rare. Et quand il y a de la neige, là, ici, sur la Gironde, allez, ça va tenir une demi-journée, peut-être une journée, puis c'est tout. Après, il n'y a plus rien, quoi. Alors j'entends gazouiller, tout à l'heure j'entendais un petit peu le Brésil, mais côté francophone, rien.
Alors, c'est à peine sensible, hein. J'ai pas vraiment senti de différence, hein. Mais bon, moi, ça me dérange pas, hein. J'ai un clarifieur sur mon poste. J'ai la chance, hein, contrairement à beaucoup de stations qui en ont pas. Hop là, attends, vas-y, recommence, j'ai pas eu le temps, hein. T'es trop haut là, Gilles. T'es monté trop haut. Ah, attends, attends un petit peu plus long. Oui, alors 624.8, 624.9, c'est entre les deux. Tout à l'heure, tu étais monté à presque 625.5, hein, presque. Voilà, c'est pas mal, 600, oui, de toute façon, il faut que le poste chauffe, hein, c'est normal, hein. Alors, je suis en train, là, je suis, je saute du coq à l'âne, hachis, du coq au caribou, on va dire. Alors, je suis sur le serveur connecté sous ton compte, donc, dedans, tu peux créer des dossiers pour classer, pour ranger les vidéos dedans et tout, ceci, cela. Dans le dossier que je t'ai marqué là sur Messenger, voilà, dans ce dossier là tu fais ce que tu veux dedans, quoi, en gros. Voilà, c'est là, je suis en train de tester là, en même temps, en étant sous ton compte. J'ai entendu quelqu'un se signaler. Oui, alors il y a. Ouais, là c'est facile. Là voilà, là je viens de m'amuser à faire deux choses là-dedans. J'ai chargé une image sur les tenants justement. J'ai créé un dossier, test création dossier. Donc, ok, tout ça, ça fonctionne. C'est nickel. Donc, à partir du lien, voilà, bon, je ferme ça, je me déconnecte. Donc là, c'est nickel. Donc là, ça c'est en attendant là on est sur la CIBI, on va pas s'emmerder avec ça. Mais le jour où tu voudras, pour que ce soit plus pratique pour toi, côté YouTube, on fera ce qu'il faudra. Mais comme je te l'ai mis, il faut qu'on soit ensemble là pour ça. Hein. Là pour, faudra être synchro à ce niveau-là. Faire les mêmes gestes de chacun de son côté. Attention aux gestes que tu vas faire. Non, je plaisante. je suis en train de déconner là. Oui, Pierre-Michel. Alors, je suis en compagnie de Gilles, 9 Bravo Charlie 555, qui est sur Pointe Calumet, sur le Québec. C'est à l'ouest ou sud-ouest, oui, c'est ça, oui, sud-ouest de Montréal. Faut que je vérifie si j'ai pas dit une connerie. Et tu as les bonnes 73, oui, de 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33, au QRA. Mais j'ai pas le de ce qui a vu les présents. Ici, c'est 9 Bravo Charlie 555.
Alors c'est le prénom, c'est Pierre Michel. Pierre Michel. Il y a deux prénoms, mais il est tout seul. C'est attaché. Ok, bon Gilles, t'as complètement perdu. C'est vrai que la propague a descendu, hein Gilles. C'est le signal est nettement moins fort là de mon côté. Ok Pierre-Michel, en espérant que tu passes de bonnes fêtes. Merci de ton passage sur la fréquence. C'est vrai qu'en ce moment avec Gilles, on est tous les jours là ici en fréquence vers ces heures-ci quoi. Voilà, c'est à la mesure du possible, bien entendu. Mais là, on se retrouve là en ce moment, là tous les jours ici, quoi. Là, j'ai pas tout compris. Je t'ai pourtant bien entendu, mais j'ai pas tout compris. J'ai du bruit de bande en même temps. C'est pas toujours toujours évident. Pourtant, c'est moi qui ai les oreilles bouchées, ouais. Ce qui est possible aussi. Ah oui. Ok, je suis en train de regarder là sur internet, je connais pas du tout cette antenne. C'est là comme ça me dit rien du tout, tu vois. Tu sais, hein, chacun prêche pour sa paroisse. Hein. C'est, je regarderai sur le forum. Je regarderai ça. Peut-être que j'ai peut-être fait des fiches hein, dessus. Je sais pas. Je regarderai. Je vais faire un retour de micro sur Gilles parce que bon, lui, il est là pour profiter justement de la propague, de pouvoir papoter avec les Français. Hachi, retour à toi, Gilles. Alors, c'est
Il y a quelqu'un derrière. Je croyais que t'avais attrapé quelqu'un en fréquence. Razioli, ok, Pierre-Michel. Ok, je l'ai devant les yeux. Alors, j'ai... en ce moment, justement, sur le forum, il y en a qui en parlent. Ils parlent de la Razioli HW10V. Voilà l'antenne, voilà, ok, d'accord. Non mais, hé, je savais bien que j'avais les oreilles bouchées hein, ce matin, enfin ce matin, cet après-midi. J'avais compris, ravioli, moi. Tu m'étonnes que je connaissais pas. Ok, ben, ouais, effectivement, c'est vrai qu'elle est bien notée. C'est, mais après, j'en sais pas plus. Alors là, Grazioli HW10V, c'est une demi-onde, et c'est vrai qu'elle est, elle est assez particulière, et c'est vrai que j'en entends parler en bien. Maintenant, je ne sais pas plus. Gilles, non, j'ai entendu chuchoter, là, enfin, chuchoter, n'importe quoi. J'ai entendu parler dans le lointain, mais c'était trop QRP pour savoir si c'était du français ou pas de mon côté. Retour à toi, Gilles. Ouais, ben, de mon côté, toi, 55, 56, ça tourne à ça, quoi. C'est curieux aujourd'hui. Pourtant, et normalement, quand ça passe de mon côté, ça passe ailleurs, hein. C'est... Hé, hey, t'as pas fermé les portes, là, t'as pas fait un mur de chaque côté, là, quand même. C'est pour qu'il y ait que ce couloir-là qui passe. oui, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus... Oh, j'ai compris, quoi. Et comme le dernier coup, les stations sont en écoute derrière. Et les stations, quand on reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavard. Faut prendre le micro un petit peu. Le micro, il est pour tout le monde. On se le passe les uns les autres, le micro. Et le micro, il dit bonjour en même temps. Ah, tu m'étonnes, il passe même un peu plus fort que toi. Les 73-51, Vincent, voilà, de 14 km, 33-01, Rémi, d'Andy 33 sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Break, break, 9, Bravo Charlie 555, Pierre-Luc, s'il vous plaît.
Ok, Francis, les 73-51 de 14 km 33-01, opérateur Rémi, sur le sud-ouest France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Ah, c'est très compliqué de mon côté là pour recevoir. On dirait que la propague là est en train déjà de nous fuir. C'est plus ça va, plus ça fuite là de mon côté. Ah, Gilles, ça passe plus de mon côté. Oh, t'es descendu Santiago 2 là, Gilles, par rapport à tout à l'heure où c'était plein pot. Alors, tous les jours, on retrouve Gilles là sur cette fréquence. Ça remonte un petit peu, c'est limite. Hein. Ah ok, d'accord, là de suite comme ça, c'est vrai que je m'en souviens pas, hein. C'est que ça doit dater quand même, hein. Ça doit dater du précédent cycle de propos. Oui, je reprends. Ok. Oui, là, je t'ai entendu, Francis, très, très QRP, là, de mon côté. Là, c'est un demi-point de mon côté, hein, au niveau du signal. La radio, elle n'est pas beaucoup plus épaisse. Radio 1, radio 2, c'est vraiment du QRP, là, de mon côté. Les 73 à vous, Francis, de la part de 14 km, 33-01, Rémi. Mais là, c'est vrai que là, autant, là, tout à l'heure, je vois ça passer plein pot, là, du côté Québec, autant où
Gilles aussi, là, c'est en train de baisser, puis ça remonte. C'est la propagation joue avec nous en ce moment. Retour, Francis, si tu m'entends. J'ai entendu le pas de la case. D'accord, ok. Là, j'ai oublié. Je me souviens pas trop. Là, c'est vraiment compliqué hein, pour te sortir. Hein. Le pas de la case, j'ai oublié. Ouais, j'avoue, là, j'ai oublié quand que j'avais fait un QSO. C'est vrai qu'à force de cumuler les QSO les uns les autres, ceci, cela, ainsi de suite, on finit par oublier des détails. Et là, c'est ce qui m'arrive, là. retour, Francis. Ah, Gilles, on t'appelle. Là, c'est petit, là. Ah, on est jaloux. Il y a des bruits de bande comme ça qui passent des fois. Ah,
C'est un peu du franglophone qui parle, un peu. Ça passe toujours, hein, Gilles. J'ai entendu effectivement un break là tout à l'heure, puis bon, il a dû repartir. Il faut dire que la propague fait un peu le yo-yo aussi. Hein. C'est particulier, ça fait le yo-yo.
connaissent la mise ciel à Trois-Rivières, le Canadien. Non, il dit le Canadien, il dit ça, Gilles, le Canadien. Bon, peut-être ça dit quelque chose, Gilles. Le Canadien. En tout cas, il était dans votre coin, puis le Michel est rendu à Trois-Rivières et travaille sur les autobus. Là, en tout cas, il t'entend. C'est bien qu'il a fréquenté tout à l'heure. Il disait, t'es toujours au 625, puis je réponds sur le texte. Oui, oui, c'est vous autres. Fait que, après ça, Gilles. Oui, la voix des bons 7-3, là, Michel, là, côté Trois-Rivières. Oui, 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 là. Je vais demander si t'entends, il t'entendu. Ok, après. Oui, il y a celui sur l'autre c'est ça? Ben, c'est lui qui voulait faire oh là, oh là, oh là. Moi, j'entends, mais dans le fond, mais c'est. Je vais faire une chose. Ben, je donne Michel, on va voir si Gilles t'entend au cas. Ah, ça fuite, ça fuite. Voilà, nous, on va continuer de notre côté. Je vais arrêter la vidéo là.